un jour, vous avez des restes de fil comme ça, des restes de pelote, et vous avez un cordon. Un cordon, c'est un fil un peu épais, en acrylique. Donc, on peut les utiliser pour nous faire un joli panier. On aura besoin d'un crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 6. Vous aurez besoin de ciseaux, d'une aiguille et d'un briquet. Un briquet, le briquet, on va pouvoir brûler le bout de ce cordon, comme ça il ne va pas filer. Voilà, on peut commencer. On commence par faire un cercle avec ce cordon. On essaie de faire un cercle. Sur ce cercle-là, on va travailler. Donc voilà. Et je prends mon fil, n'importe lequel, ce que vous avez, et j'ai fait un nœud, j'introduis mon crochet dans le cercle, puis dans le nœud que j'ai fait. Voilà. Et j'essaie de m'introduire le plus près du fil qui va vers la pelote. Donc, voilà, j'introduis mon nœud et je vais faire une maille coulée. Voilà, je serre et là, je vais faire une maille serrée, une maille chaînette, pardon. Et puis, je vais faire 12 mailles serrées dans le cercle. Essayez de prendre tous ces fils avec vous, ces bouts de fil avec vous. Voilà, une, deux, trois. Vous avez, donc, pour la maille serrée, pour celles qui ne savent pas, j'introduis mon crochet dans le cercle, je fais un jeté, je prends le fil sur le crochet, je tire une boucle. Je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Ça, c'est une maille serrée. Donc, on compte 12. On a besoin de 12. On ne compte pas la première maille chaînette qu'on a fait. On va compter juste les mailles serrées. Donc, 2, 4, 5. Je vais faire 6, 7. Et 12. Voilà. Donc, et je vais tirer sur le cordon pour fermer un peu le cercle. Je vais tirer des deux côtés. C'est pas grave s'il nous reste ce bout de fil, on peut toujours le faire rentrer avec une aiguille, comme on peut le brûler et le coller au bas du travail. C'est pas grave. Donc voilà, je vais fermer. Voilà, j'ai fait ma dernière maille serrée. On va prendre un marqueur pour marquer la dernière maille qu'on a fait. Donc ça, c'est la 12e maille serrée. Je vais la marquer, comme ça on n'oublie pas. Je vais aller sur la première maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées dans la première. 2. Dans chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. On avait 12, donc on aura 24 après. Voilà, on arrive à la dernière maille. Fais une première maille serrée, j'enlève le marqueur, je vais faire ma deuxième maille serrée, je remets le marqueur à sa place, donc sur la dernière maille que je viens de faire. Donc on a commencé notre travail, on a fait 12 mailles serrées. Dans le premier tour. Le deuxième tour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on avait premier tour, on avait 12 mailles serrées. Le deuxième tour, qu'est-ce qu'on va faire? Sur chaque maille serrée,
chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Ce qui fait, ça va nous donner 24 mailles serrées au total. À la fin du tour, on aura 24 mailles serrées. Donc, on a fait, sur chaque maille serrée, on a fait 2 mailles serrées. Le troisième tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, sur les 24 mailles serrées, on va faire sur la première, 1 maille serrée. Sur la deuxième, 2 mailles serrées. Puis, on va faire sur la suivante, 1 maille serrée. Puis, 2 mailles serrées. Donc, c'est chaque maille. Une maille, la première, 1 maille serrée. La suivante, 2 mailles serrées. Et la troisième, 1 maille serrée. La quatrième, 2 mailles serrées. Et on va continuer la séquence comme ça. Pour le quatrième tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maille serrée sur la première maille serrée. Une maille serrée sur la deuxième maille serrée. Sur la troisième maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Donc la séquence, cette série, elle a changé. Là, on avait une maille serrée, deux mailles. Là, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées. Et on va continuer comme ça. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc, voilà. Le cinquième tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Donc, sur la première maille, on va faire une maille serrée. Sur la deuxième, on va faire une maille serrée. Sur la troisième, on va faire une maille serrée. Et sur la quatrième, on va faire 2 mailles serrées. Donc, la série, encore, elle a changé. Donc, vous avez 2 mailles serrées ici. La séquence, elle change après 3 mailles serrées. Dans le sixième tour, vous allez faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, donc 4 fois. Et puis sur la cinquième, on va faire 2 mailles serrées. Comme ça, on augmente pour que notre cercle reste bien plat. Bien plat, c'est comme ça. Si vous augmentez plus, vous allez avoir des ondulations ou des vagues. Si vous suivez cet ordre, vous aurez une base plate, comme vous voulez. Donc, le septième tour, et c'est comme ça. Donc, le septième tour, on va faire 5 mailles serrées, après 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et après, on va faire 2 mailles serrées. C'est comme ça que ça va aller. Hein? Et ainsi de suite, vous comprenez? Donc, chaque fois, on augmente d'une maille. Donc, et après 2 mailles serrées, et ensuite, et on reprend. Ici, quand on arrive ici à 2 mailles serrées, après, on reprend une maille serrée, 5 fois, et 2 mailles serrées. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la circonférence que vous voulez, ou le diamètre que vous souhaitez, et après, vous arrêtez, et on va faire les mailles serrées pour augmenter, pour faire notre travail. Pour la suite, quand on a la circonférence qu'on veut, après on ne fait plus d'augmentation, on travaille juste les mailles serrées comme elles sont et ça va nous donner cette forme. D'accord, on se retrouve pour continuer. On va faire le troisième rang. On va aller sur la première maille. On va faire une maille serrée. Sur la deuxième, on va faire 2 mailles serrées. La troisième, on va faire une seule maille serrée. Sur la quatrième, on va faire 2 mailles serrées. Et on continuera comme ça. Une fois, on met une seule maille serré et la suivante, on fait 2 mailles serrées sur la même maille. Là, j'ai fait 2, donc la suivante, je vais faire une seule maille. Voilà, 2 ici, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier point. N'oubliez pas de prendre le cordon. C'est lui qui donne une rigidité à votre travail.
Donc, j'ai fait le tour du rond. La dernière maille, j'ai fait deux mailles serrées sur la et j'ai remis mon marqueur. Donc, on commence le rond suivant. Donc, c'est le troisième, je crois. Donc, on commence par faire notre rond, par faire une maille serrée sur la première maille. Une deuxième maille serrée sur la maille suivante. Et sur la troisième maille, on va faire deux mailles serrées. Donc, on va aller par faire une maille serrée, deux mailles serrées. Une maille serrée, deux mailles serrées. Et ainsi de suite. Voilà, on a fini ce rond. Donc, j'ai fini tout le tour. On va faire le rond suivant. Le rond suivant, on va travailler une maille serrée sur cette maille, une maille serrée, donc sur trois. Sur trois mailles serrées, on va travailler une maille serrée sur chacune. Et puis, sur la quatrième maille serrée, on va faire deux mailles serrées. Donc, on va travailler une, deux, trois mailles serrées sur chacune de ces trois-là. Sur la quatrième, on fait deux mailles serrées. On continue comme ça. Donc, voilà, je travaille sur la première. Je vais faire une maille serrée. La suivante, une maille serrée. La troisième, une maille serrée. Et puis sur la quatrième, je vais faire deux mailles serrées. Voilà. Donc, on répète. On va faire une maille serrée sur chacune des trois mailles suivantes. Une maille serrée, une maille serrée, et puis sur la quatrième, on fait deux mailles serrées. Donc, ce sont des augmentations calculées, parce que si vous augmentez beaucoup, votre travail va avoir des ondulations. Vous allez avoir des vagues, il va se tortiller comme ça, donc il ne sera pas joli, vous n'allez pas obtenir un travail plat, en tous les cas. Maintenant, si vous travaillez et que votre travail commence à s'onduler, vous pouvez tirer sur votre cordon doucement. Vous allez le sentir sous votre doigt. Vous tirez, mais doucement. Si vous tirez beaucoup, regardez, il va plus être plat. Donc, il faut qu'il reste plat. Serrez votre travail, quand vous travaillez, serrez votre fil. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on a fait trois mailles serrées et sur la quatrième, on a fait deux mailles serrées. Le rond suivant, vous allez faire quatre mailles serrées sur les quatre mailles, sur quatre mailles serrées. Sur la cinquième, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite, et vous continuez le tour comme ça, en faisant comme ça. Quatre mailles serrées sur chacune des mailles serrées. Et puis sur la cinquième, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Le sixième rond, et ainsi de suite, vous continuez sur le sixième rond, vous faites 5 mailles serrées simples, et puis sur la sixième, vous faites 2 mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la circonférence que vous voulez, donc le diamètre du panier que vous voulez faire. Vous finissez le diamètre souhaité, et on se retrouve. Voilà. On a fini, voilà, c'est le diamètre voulu pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis arrivée à la dernière maille. Voilà, je suis au début du rond. Donc, et j'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet plus petit pour que mon travail soit serré. Parce que là, je vois qu'il n'est pas très serré, mais là, c'est pas grave. Mais pour le reste, il faut que ce soit bien, que ça tienne bien. Donc le crochet, je dois serrer un peu mon travail. On va faire des mailles serrées, mais là on va travailler, vous voyez la maille, elle a deux brins, celui-là et celui-là, c'est un V, vous avez un V. Nous on va travailler sur le brin qui est vers l'intérieur, cette face-là ça va être l'extérieur, regardez, cette face-là, la face-là, ça va être l'intérieur, elle va se retrouver à l'intérieur de notre travail. Donc vérifiez votre travail et on continue. Donc, on a dit, on va faire des mailles serrées, mais en prenant un seul brin, un seul fil.
parce que vous avez le V, comme on a dit, vous avez le V, on va prendre celui-là. Donc on s'introduit ici et on va travailler. Il n'y a pas d'augmentation, chaque maille sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée. On va faire cette façon de travailler les mailles serrées que sur un brin, juste pour ce rond. Les autres ronds, on va travailler la maille serrée normale. Une fois fini ce rond, on va continuer sur faire des ronds de mailles serrées sans augmentation et sur les deux brins. Vous prenez les deux fils. Donc voilà ma dernière maille et je vais sur la suivante. Je m'introduis sous les deux brins, le V là, je m'introduis en bas, en dessous et je fais ma maille serrée en tirant toujours avec moi le cordon. Donc on continue à travailler tout le tour avec des mailles serrées. Donc on continue, vous faites vos tours jusqu'à la hauteur souhaitée. Voilà, j'ai fini. Pour moi, c'est la taille que je veux. Donc j'ai crocheté 2, 4, 6, 8 rangs de mailles serrées et donc je peux arrêter là. Je peux couper le fil ici. Si je veux faire un panier, si vous voulez faire un petit panier comme ça, je peux couper ce cordon, j'en ai plus besoin. Donc je le coupe, je peux enlever ce marqueur. Mais je garde mon fil parce que je vais travailler avec pour pouvoir faire un endroit où mettre un petit ruban si je veux. Si vous voulez arrêter votre panier comme ça, c'est bon, vous pouvez l'arrêter. Donc, pour ce cordon, pour qu'il ne file pas, je vais le brûler un peu et le faire entrer à l'intérieur. Attention, il est chaud. Donc il est collé là, il se colle parce que c'est de l'acrylique. Donc je l'ai brûlé, maintenant on ne peut plus l'enlever, il est collé. Et on peut continuer notre travail. Je vais commencer par faire une maille chaînette. Je saute une maille et je vais sur la suivante et faire une bride. Une maille chaînette, je saute une maille. Je vais sur la suivante et faire une bride. Une maille chaînette, vous faites une maille chaînette ici et sur le tour là, vous sautez une maille. On laisse une maille, on va sur la suivante, on fait une bride. Une bride, on fait un jeté, on introduit le crochet dans la maille, on tire une maille, on tire une maille, donc, et je fais un jeté et je laisse tomber deux mailles, un jeté et je laisse tomber les deux autres. Donc voilà, je fais une maille chaînette, je saute une maille, je vais sur la suivante et je fais une bride. Donc je fais une maille chaînette, je saute une maille chaînette sur le panier. Et je fais une bride. Voilà, continuez, vous faites une maille chaînette et vous sautez une maille et vous, sur la suivante, vous faites votre bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire un autre tour de maille serrée ou bien juste arrêter le travail après ça, c'est bon. Une fois terminé votre travail, vous cachez les fils.
Donc, il me reste ces deux fils-là. J'ai fait un nœud et vous coupez. Je vais couper ce fil-là. Et puis, couper le cordon. Là. Le cordon, pour qu'il ne file pas, je brûle la pointe. Et je l'appuie, j'appuie comme ça. Ça y est, elle est collée maintenant. Donc voilà. Voilà notre travail terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose.